Ouais, bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. J'espère que vous allez tous très très bien. En tout cas, moi, ça va du feu de Dieu, que dis-je? Ça va d'une manière exceptionnellement bien. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui est le jour où Kylian Mbappé va de nouveau fouler la pelouse. Et mesdames et messieurs, attention, pas avec le Real Madrid, comme tous ces médias menteurs, voleurs, arnaqueurs l'ont annoncé. Non, Kylian Mbappé va aujourd'hui jouer contre Toulouse. Toulouse va connaître la puissance de la vengeance de monsieur Kylian Mbappé qui a été mis sur le côté, qui a été mis au loft. Kylian Mbappé est de retour avec le Paris Saint-Germain et non avec le Real Madrid. Je répète, Kylian Mbappé est de retour avec le Paris Saint-Germain et non avec le Real Madrid. Eh oui! Le Real Madrid n'a pas donné de numéro 9 cette année. C'est-à-dire que le poste est vacant. Il n'y a personne qui va porter ce maillot 9 qui est si important pour le Real Madrid qui se retrouve sans attaquant. Alors qu'ils ont une équipe atomique. Mais bien sûr, là, ils ont voulu recréer les Galacticos de je ne sais pas quelle année. Mais c'est sans compter sur Kylian Mbappé qui a décidé de jouer avec son ami Ousmane Dembélé. Et oui! Donc, n'en déplaise à tous ces médias menteurs, voleurs, arnaqueurs, qui ont réussi à vendre du papier, qui ont réussi à se remplir les poches en mentant sur l'avenir d'un grand joueur qui est au Paris Saint-Germain. Oui, nous avons nettoyé toute cette racaille sud-américaine du Paris Saint-Germain et nous avons fait venir des joueurs qui ont envie de mouiller leur maillot. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer? Cet après-midi, enfin ce soir, Toulouse va sentir le Paris Saint-Germain. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer? On va arriver là-bas. Mbappé Pépite va être sur le côté gauche. Oh, qu'est-ce qui va se passer? Il va mettre 2, 3, 4, 5 buts. Le Real Madrid va revenir à la charge. Oui, Mbappé, oh, voilà! Tous les médias espagnols l'ont annoncé. Les médias français ont dit qu'il y avait un accord secret entre le clan Kylian Mbappé et le Real Madrid. Il est où cet accord secret que tout le monde connaît? Hein? Un accord secret et tout le monde est au courant. C'est comme les Illuminati. Ouais, secte secrète. Ouais, tout le monde est au courant de tous leurs plans. Hein? Ce que j'ai à dire, hein? Sachez. Mesdames et messieurs, les fans du Real Madrid, pleurez. Oui, pleurez. Pleurez et lâchez toutes vos larmes. Toutes les larmes qui sont dans votre corps, faites-les quitter votre corps. Kylian Mbappé ne sera pas un joueur du Real Madrid, en tout cas pas pour cette saison. Peut-être que l'année prochaine, on va encore une nouvelle fois trembler de peur, mais ce n'est pas pour cette année. Donc Toulouse. Ouais, donc Toulouse, tout est dans le nom, hein. Ce soir, vous allez perdre. Toulouse, en anglais, ça veut dire perdre. Voilà, donc c'est ce qui va se passer cet après-midi ou en fin de soirée. Hein. Voilà, on va vous exploser d'une manière. Oh là là, ça va être du grand n'importe quoi. On va vous manger, vous cuisiner. Ensuite, on va vous vomir. Hein. On va vous mettre au congélateur. Et ça, on va envoyer ça à Lionel Messi. Voilà.